Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer deux recettes de la pizza romana. Il s'agit de l'ancêtre de la pizza. Vous retrouverez ces pâtes pré-cuites au magasin Grand Frais. Mon contenu te plaît? Alors lâche un maximum de pouces bleus, abonne-toi et active la cloche des notifications. Pour réaliser notre recette, nous avons besoin de deux pâtes pizza romana, d'une sauce à pizza, de crème fraîche, de mozzarella fior di latte, de champignons, d'oignons rouges coupés en rondelles, de saucisses turques appelées soudouk, des lardons de volaille, des pommes de terre, ainsi que du fromage raclette. La liste des ingrédients trouve vos descriptions. Je commence par étaler ma sauce à pizza sur ma pâte. Ensuite, je viens y mettre ma mozzarella. Puis j'y dépose mes rondelles de soudiouk. Et je viens y mettre mes champignons. Ensuite, ça part au four à 250 degrés pendant 5 à 6 minutes. Pour la deuxième recette, on va venir étaler notre crème fraîche auquel on aura rajouté un peu de poivre. Ensuite, on vient déposer notre mozzarella. On vient y rajouter nos pommes de terre. Puis nos oignons rouges. Nos lardons. Et on vient rajouter notre fromage raclette. On enfourne à 250 degrés pendant 5 à 6 minutes. Notre pizza romana sont prêts à être dégustés. J'espère que ces deux recettes vous auront plu. Je vous souhaite bon appétit. Likez, partagez et abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu n'es pas abonné, clique sur mon logo pour t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.